c'est un film que je coproduis carrément avec des amis à moi, plutôt avec un ami très ancien, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le cinéma. Et donc maintenant, après presque 20 ans, on coproduit un film ensemble qui s'appelle Sénéca. Sénèque, c'est un philosophe romain, Qadim, qui est joué par l'acteur Maarouf, bien sûr, John Malkovich, ou avec Geraldine Chaplin, ou avec Anne-Marie Parker. Donc il y en a trois stars. Vraiment, je suis un homme qui a déjà été au Maghreb, déjà été au Maghreb dans les années, je crois, la fin des années 80. Soit un film qui s'appelle The Sheltering Sky, un thé au Sahara. Donc il était vraiment fait des environs. Il était à Ouarzazate, il était à Tanger, il était à Gdez, il était à Mohamed. Donc pour lui, c'était, quand il est revenu ici, c'était vraiment un genre de... Tu vois, il était vraiment très très touché, ou il aime beaucoup le Maroc. On est à l'aise parce que c'est une production qui n'est pas tellement... C'est pas une production hollywoodienne, mais c'est une production quand même modeste, européenne. Et c'est pour cela que je trouve que c'est très important aussi d'avoir ce genre de films. C'est des films d'auteurs qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui sont des films de passion. Nadia Mzakour, c'est une actrice qui est très sympa et qui est vraiment très, très bien. Je la trouve vraiment magnifique comme actrice marocaine, et j'espère qu'il continue à faire ce genre de participation dans des films internationaux. Et je suis sûr, avec le talent qu'il a, etc., il va y arriver. Donc elle joue avec nous ici un rôle sympa. J'ai parlé avec le réalisateur de son travail, il était vraiment très content. Donc moi aussi, je suis aussi fier d'avoir une actrice marocaine avec nous dans ce genre d'un film international.